Amis pêcheuses, bonjour. Bienvenue sur la chaîne Carpe Zorbit. Aujourd'hui, un petit 24 heures en Meuse. Donc, on va bien voir ce qu'on fait. Je vais déjà vous présenter le spot et puis à quoi je pêche tout ça. Allez, à tout de suite. Voilà, donc on se retrouve sur le spot. Donc je vais vous montrer directement du chemin. Merde. Voilà. Donc la voiture est garée là. Et voilà le spot. Voilà. Donc là on vient de prendre une grosse drache, comme vous pouvez voir. Il vient de dracher, j'étais complètement trempé. Hein. Il fallait que je me change. J'étais avec mon gendre. Mon gendre lui a préféré repartir. Voilà, donc bon, je suis resté parce que mon gendre avait déjà fait 24 heures. Moi, là seulement j'arrive. Enfin, seulement j'arrive. Là, il est. Il est quelle heure? Il est 9h15. Je suis arrivé vers 2h de l'après-midi, un truc comme ça. Alors, toujours pas eu de bip, rien. Donc voilà la zone. Voilà la Meuse. Hop, on va descendre, voilà. Voilà. Donc je pêche là-bas. J'en ai une qui est là-haut. Vous voyez. En dessous de l'arbre, près des deux petits nénuphars là. J'en ai une là. J'en ai une en face là-haut. Hop. Dans le trou de nénuphar là. Voilà. Donc la première ici à gauche. Elle est où il y a les deux petits nénuphars là-bas. Et l'autre à droite, au nénuphar en face. Voilà. J'en ai une autre qui pêche ici sur piquet. Hop. Qui pêche sur piquet, voilà. Et celle-ci, elle est là-bas. À la pointe. Ouais. Hop. Hop, voilà. À peu près là, à la pointe là. Voilà, donc je suis venu amorcer hier, puis aujourd'hui. J'ai amorcé au maïs et à la graine. Et je pêche sur les trois. Sur les trois, je pêche avec une pop-up citron et une bouillette ananas. Voilà, donc comme normalement il fait chaud, bon, ben là il a flotté. Vous voyez maintenant, un peu de soleil, ça s'est éclairci le ciel. Voilà, maintenant il y a un peu de soleil. Mais sinon, il vient de tomber une grosse drache. Et là, il pleut encore un petit peu d'ailleurs. Mais bon. C'est pas. Il pleuvouille, quoi. Donc voilà, donc là, je vais rester jusque demain matin. Demain matin, voire demain midi, ça dépend à quelle heure je me lèverai. Et puis. Puis voilà, quoi. Donc si je fais quelque chose, je vous reprends. Allez, à tout à l'heure. Bon voilà. Là, il va être 11h, il est 11h moins 5. On va me faire un petit barbeau. Un beau petit barbeau. Hop, voilà. On le remet à l'eau. C'est un bout de temps qu'il joue. Enfin, un bout de temps, ça fait 5 minutes quoi. On va le remettre à l'eau directement. Voilà. Je vous reprends si j'ai quelque chose. Bon ben voilà, on vient de finir le 24 heures, là je viens de tout emballer, tout est dans le berlin.
Donc, petit 24 heures, j'ai pris, comme vous avez pu le voir dans les images, hein, j'ai pris un barbeau. C'est tout ce que j'ai fait. Sinon, j'en ai pris d'autres. J'ai pas eu d'autres bips, je pense pas. Parce que j'ai eu des bips, mais je pense que c'est ma. Comment? La canne qui était en face, je pense qu'avec le courant, je pense qu'il n'y avait pas assez de plomb, pourtant j'avais mis 200 grammes. Mais je pense qu'il n'y avait pas assez de plomb, elle devait bouger. C'est pour ça que ça bipait. Donc voilà. Voilà, bah, sinon, tout s'est bien passé, hein, sinon j'ai rien fait d'autre. Juste le barbeau. Voilà, allez. Bah, au prochain 24 heures, hein, je sais pas si ce sera grand. Ou à la prochaine pêche. Allez, merci. Au revoir.